Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ouais. Go! Ouais. Tu peux pas t'allumer. Il est 8h et vous êtes déjà à ce fameux croisement. Alors du coup, si j'ai bien compris, on est parti pour une run banquise, exploration banquise. Ouais, c'est ça, une petite run banquise. Et du coup, on va... Pour y aller, il va falloir... Bon, on va juste aller dans le sud. Portail. Ouais, on va aller dans le nord. Ah ouais. Donc déjà, on va à la place de Nouvelle Astralia. Vous êtes à la place de Nouvelle Astralia. Et on va un peu plus au nord. Ah, lancez 2 dés. 1. Ah ouais. Tombé sur le chef de guerre. Je sais pas, vous voulez tenter un dialogue? Bon, non, j'ai rien à dire, moi je vais juste aller à la banquise. Il est assis à un petit stand qui est un salon de coiffure. Quoi? Il est passé de bandit à coiffeur. Non, mais il est chauve, surtout. Bon, on continue? Ouais. Allez, on continue. Du coup, à l'est. Comme ça s'intéresse pas à son salon de coiffure. Allons, c'est 2 dés. 5. Tomber sur une fille qui se balade toute seule. Ok. Bon, on continue quand même. Vous arrivez à la frontière. Et on passe. 3 lancers de dés. 1, 6. 5. Il n'y a rien, Pélo. On va au nord. Un, six, six. Oh, non. Tombé sur le visiteur de l'autre continent. Oh non. Oh non. Ah, oh, mais lui, je comprends toujours pas. Hein. Salut, mec. Tu viens avec nous, on va à la banquise. Et regarde le ciel. Ah, viens. Viens avec nous, on va s'amuser. Tu peux regarder le ciel aussi? J'ai sniper niveau 2. Ton lancer. 6. Tu peux y voir un matériau précis, mais le jet est carrément insuffisant pour le reconnaître. Hmm. Un matériau, genre il est dans les airs? Ouais. D'accord. Sphère. Sphère volante. Du coup, j'imagine que le monsieur de l'autre monde, il va nous suivre, hein, du coup, voilà. Peut-être pas. Mais je pense pas, il regarde le truc dans les airs, donc... Compliqué, si on peut pas communiquer avec lui et qu'on peut pas non plus voir, bon, au bout d'un moment, si on est privé de nos sens, compliqué, quoi. Et peut-être que si on erre un peu, on va avoir une interaction avec cette chose ancienne. Non, je sais pas comment ça marche, Je pense pas, mais on peut essayer si vous voulez. Donc on attend dans la zone. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça marche, mais ouais. Vous attendez? Ouais. Tiens, on attend. 4 lance 3D. On va se faire écraser par un truc dans le ciel. Mais non, Pierre, il est là, lui. Oula, c'est... What? C'est pas sur les côtes, lui. Pas bien. On dirait qu'il était en train de fuir, quand même. Hein. C'est chaud. Là, logiquement, il va vers les côtes. Pas d'interaction possible. Tu fais ce que tu veux. Je peux faire un dé de fouillage, après. On sait pas. Peut-être qu'il y a un truc qui a rapport avec le matériau. De toute façon, fais un dé de fouillage. 3. C'est insuffisant. Ah, c'est insuffisant. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose. Je peux réessayer au prochain lancer si tu attends, oui. Okay. Ouais. On attend.
Ah, on attend, ouais, on attend. La run attente. 3D. C'est un cap humain qui. Ah, mais okay. Je te rappelle, il avait dit c'est une boule avec des bras. Okay. C'est vraiment une boule avec des bras. Ok, je fais un dé de fouillage. Que tu perds avec le fouilleur. Trop bien, l'odeur. Bon, bah voilà. Du coup, je pense que ça sert à rien d'attendre. Du coup. Donc, vous voulez qu'on quitte la zone, qu'on continue la banquise ou qu'on reste? Je sais pas. Je sais pas en fait s'il y a une interaction possible en attendant. Si on attend pour rien, autant bouger quoi. Eh mec, il va se passer un truc avec ce matériau? Pas de réponse. On peut pas communiquer avec cette personne. Encore, il y en a, tu vois, ils osent la tête. Ou ils déhochent. Ah ouais, là, c'est pas possible. Tu comptes rester là? Pas de réponse. Ouais. Bon, bah on va y aller, je crois. Ouais. Enfin, on va continuer au nord. Voilà, on va à la banquise, hein. Salut. 5, 5, 1. Il est grasse pas, lui. Il semblait que... J'ai vraiment l'impression qu'ils sont tous en train de fuir. Hein. Ils, à chaque fois, ils arrivent, ils se déplacent à toute vitesse. Là, il y a un truc qui se passe. Hein. C'est vrai que là... On devrait vraiment bouger. Je crois qu'on devrait aller dans leur direction. Mais du coup, on peut longer les montagnes déjà, là. Vous n'êtes pas aux montagnes. Donc on continue au nord. Prends l'ancien 2D. 2, 1, 5. Vous tombez sur l'ancienne clinique d'Astralia. Ah, c'est vrai que tu connais pas Ougas. Non, nous non plus. Du coup. Enfin, nous, non, j'aimerais essayer à y entrer. Comme mais... c'est accurate sur la map. Oh là là. C'est vrai, la montagne dernière. D'ailleurs, j'ai technicien. Logiquement, je pourrais essayer de pirater la porte. Enfin, la déverrouiller. Après, pirater l'entrée d'une clinique, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de bien, mais... On a essayé de toquer, déjà. Je crois. On peut réessayer. Peut-être des gens, maintenant. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Si on pirate une porte, il y a des gens derrière, ils vont se dire, bah, pourquoi vous faites ça? On répond quoi? C'est vrai. Bah, on avait juste envie, comme avant, ça, mais... on peut dire. On croyait que c'était bloqué. On voulait aider. Bah, je sais pas, hein, si vous voulez essayer d'interagir avec la porte, go, hein, on peut toquer, on peut crier pour voir s'il y a des gens derrière qui nous entendent, on sait pas. Hein. Du coup, si tu tentes. Bah, on va toquer avant, non? Vas-y, va toquer, va toquer. Vas-y, je toque. Il n'y a aucun son et tu te fais un petit peu mal. Tu perds un point de vie sur ça? Non. Il perd une catégorie. Okay, non, okay. C'est juste pour dire que la porte est dure. T'interprètes ce que tu veux. Attends, t'as sniper, tu peux voir à travers les vitres de l'entrée, peut-être voir s'il y a des choses à l'intérieur. Ah, je sais pas, ouais, non, c'est pas bête. Tu peux faire un jet de sniper? Tout à fait. Allez, 3. Du coup, ça, c'est négatif. Parce que t'avais peut-être plus 1, mais t'as moins 1 bah, avec ta volonté, donc ça change rien. Mais j'ai sniper 2, ça fait plus 1 tout court, non? Ça fait plus 1, et du coup ta volonté moins 1, du coup ça fait 0. Ah, ça fait pas plus 2 de base le sniper niveau 2? Quand t'as un atout et que tu lances l'atout, tu lances pas plus 1 par défaut. Ah, ok. Ah oui, bah oui, ok. Bon bah, on ne voit rien, encore une fois. Après, on peut essayer de... Je sais pas, on peut pas faire le tour. Il faut que tu fouilles, mais du coup... Ah ouais. C'est marrant. Pas de chance. Tu peux essayer de crier, voici peut-être qu'on t'entendra et qu'on va te répondre.
Moi, je suis plus chaud pour continuer à la banquise. Parce que. Bah ouais, moi personnellement, j'ai pas d'interaction à faire avec la clinique, y'a rien spécialement qui m'attire là-bas. Donc, Moi non plus, c'était juste pour voir. Pas go alors. On va longer vers l'est. 3, lancer le dé. 3, 3, 1. Il y a un cadavre dans la zone. Ah! Ah! Non. Il se passe vraiment quelque chose. D'ailleurs, attends, si là j'avais eu fouilleur, est-ce que j'aurais pu trouver des choses qui auraient pu expliquer sa mort en prévision? C'est alchimiste qu'il aurait fallu pour ça. Tout ce qui est de l'ordre du, on va dire, du côté détective, c'est alchimiste ou sniper. C'est là, en fait, c'est la classe clairvoyant, en fait. Ouais, bah ouais. Tu peux essayer quand même, du coup. Oui. Et bah, allez, jetons. C'est 3. Un jet négatif. Bon. Bah écoute. Alors, on peut passer notre chemin, il n'y a pas de se passer. Mais normalement, il n'y a pas de grand cadavre. Bon, on a vu un caillou volant. On a vu un Scraps se barrer. Une porte qui fait pas de bruit. Quatre mains. Le bilan nul. Le Capuma qui est mort. Ça se trouve, c'est juste ce portail qui est dans la zone qui fout un peu le bordel. Ah oui, c'est probable. D'ailleurs, ça se trouve, le truc qu'on a vu dans le ciel, c'est un truc qui est peut-être sorti du portail, hein, en soi. Hein. Mais ça voudrait dire, dans ce cas-là, que c'est quand même quelque chose de dangereux, parce qu'il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui fuient. Après, on voudrait mieux pas rester là pour l'instant. Ouais, on va continuer. En tout cas, faudra voir dans les prochaines runs si ce phénomène apparaît toujours. 3, lancez le dé. 1, 3, 6. Il n'y a rien. Vous êtes à la frontière avec la forêt IDS. On continue, du coup. 2, lancez le dé. 1, 3. Tomber sur un Religang Phobios. Oula. Ça vous agresse pas? Cool. Ça doit faire. Bah, cool, voilà. On continue. Deux autres, lancez le dé. 5, 1, 2. Ah, c'est bien. T'en as fait 3 du coup. Donc il y a deux aléatoires en même temps. Yes. Ça, c'est vraiment mon compteur, c'est les zones à deux aléatoires. C'est vrai que t'es habitué à 3, d'un coup tu passes à 2. Vous êtes agressé. Ah, yes. Des plantes dans cette zone n'étaient pas vraiment des plantes. Ah. Les carnivagans. Ah oui. Pas mal, elles sont stylées. Ils sont 3, chaque carnivagans est catégorie 3, ce qui fait une catégorie 9 au total. Ah ouais. Trop bien. Vos lancers de dés. Attends, c'est déjà fini là? D'accord. Le carnivore Gangs meurt pour remporter ce combat. Oui, d'accord. Oh shit. On est infecté par quelque chose, j'en suis sûr. Conscience Williams, en plus, je crois que c'est la musique des snipers en fond. Ah, dans la merde, je crois. Ok. Mais du coup, soit c'est des conséquences d'actes qu'on n'a pas réussi à calculer, soit en fait, c'est juste les deux aléatoires que j'ai proc qui ont fait que ça s'est compteur. Non, ça vient des trucs qu'on a fait là. Enfin, par rapport au Capuma qui est mort. Vous êtes à la frontière avec la banquise. Vous voulez pas qu'on décale à l'est? À banquise, la banquise, je sais pas. Bah là, on est toujours dans la forêt en fait. Bon, oui, allez, banquise, putain. On sera tranquille. Parce que surtout, là, on est dans la forêt la nuit. Je vois pas pourquoi faudrait aller à l'est du coup. C'est encore plus dangereux. Ah ouais, c'est vrai. Mais rien que. Le tout début de run, voir le chef de guerre tenir un stand de coiffure, c'est pas normal. Hein. Ah ouais, oui, un chauve qui est devant un truc de coiffure, c'est sûr qu'il y a un problème déjà, c'est mal parti. Mais bon, cette run n'est peut-être qu'un rêve. On ne sait pas encore. Très étrange.
Ouais, tout, y a rien qui a du sens là, hein, depuis le début, donc on va continuer. On va voir ce qui nous attend. On va continuer en or. 3 lancer le dé. 3, 3, 2. Il n'y a rien. Okay, alors, ma conscience finie, toujours. Est-ce qu'on était observé par les snipers quand le portail s'est fait ouvert? Bah non, parce que il me semble que... Non, on avait erré dans la zone, donc... Après, on le sait peut-être pas, hein, qu'on était observé. Bah, je sens pas qu'on a proc l'aléatoire. Hein. C'est très étrange. De toute façon, là, il n'y a plus de question de sniper. On rentre dans la banquise, il ne voit pas de là, si. La musique que t'entends, c'est quand t'es observé par les snipers. Ah, d'accord. Quand les snipers font quelque chose, mais souvent c'est ça. Et en changeant de après, zone. On est observé, on n'est pas encore fusillé. Alors, je rappelle que certains snipers peuvent laisser la musique sans vous suivre. Ah ouais. Oh, c'est OP ça. Bon, en tous les cas, si on est observé par les snipers, c'est pas une bonne idée de ne pas bouger. Donc, Vaut mieux rester en déplacement. Go, continuer. Donc, on continue, là. Ouais. 3, lancer le dé. 1, 4, 6. Il n'y a rien. 5, 5, 1. Vous voyez au loin une entrée secrète. Sur de petites grottes. Vous êtes à un point d'action d'y aller, et d'ici vous pouvez savoir que escalade niveau 1 est demandée pour atteindre cette entrée. Vous souhaitez vous y diriger, ou de continuer tout simplement d'aller au nord. C'est parfait pour un truc exploration ça. Ah ouais, mais bon, ce serait dommage de mourir sur un vieux truc d'escalade quoi. L'exploration, ça compte l'escalade, la randonnée, tous les trucs. Ouais, mais bon, c'est bien quand t'as une idée de ce qui se trouve derrière, ça se trouve. Y a rien. C'est le principe de l'exploration, c'est de savoir ce qu'il y a, justement. Ouais. Comme tu veux. Bah, comme je veux, moi, on y va, du coup. Allez. Allez, on y va. 3 lance à le dé. 4, 6, 3. Il n'y a rien. Vous arrivez devant la façade de l'entrée secrète. Pour la grimper, escalade niveau 1 est demandé. On le fait, du coup. On y est. Ouais. Allez. Bien se passer. Ouais. Volsite, dans cette dé, tu as moins 1. Wow, bien joué. Il débloque escalade niveau 1, redis ne ton lancer de dé. Aïe. Oh, bah mince, redis. Ugawa, ton lancer de dé. Moi, je suis toujours bien, ça fonctionne. Aïe. Tu moi, quand je veux pas quelque chose, je fais toujours un, c'est fou, hein, c'est automatique. Malheureusement, vous chutez, et comme vous pouvez le voir sur le visuel, la chute va durer un petit peu longtemps et la mort sera garantie au vu du ravin que vous vous mangez vers la fin. Sur la régence, il y aurait eu tout un cumulat de calculs pour savoir si vous surviviez, parce que c'est possible avec les vrais stats, etc., tu arriveras à ça. Et d'arriver dans ce qu'il y a tout au fond, sur conséquence, c'est complètement impossible. Vous êtes ici, du coup, complètement mort. Seul Volsi a survécu. Ok, très bien. Volsi, tu as une sorte de petite chapelle, comme tu peux le voir sur l'image. Il y a à l'intérieur une trappe. Tu peux décider d'y rentrer si tu le souhaites. Je peux faire un jet de sniper avant ? Dans la zone dans laquelle tu te trouves ? Ouais. Si tu le souhaites. Allez. 6. Il n'y a rien. Bon, vous en pensez quoi au vu de la trappe là ? Bah, tu comptes par descendre de toute façon. S'il y a que ça dans la pièce, autant y aller. Allez, on était parti pour l'exploration. C'est parti, je vais dans la trappe. Tu te trouves actuellement dans des conduits. Wow.
trop stylé cette musique. Un, lancer. Le dé. Deux. Je suis toujours perdu dans ce labyrinthe de conduit. C'est étrange, on dirait j'aurais une espèce d'ancienne base militaire, mais... Ah oui, t'as moins un sur le lancer de dé, my bad, c'est ah un, oui, un, c'est du, un coup. Du coup. Ouais. Du coup, un autre lancer de dé fait un, c'est marrant. Ah, c'est dommage. Ouais, ça va, ouais. En 1-2, il n'y a rien. C'est bizarre que ce soit la musique du repère de Barbe Blanche et que... Ah, c'est la musique que de ce soit ça. Visuel. Ouais, ouais, c'est ça. La position est accurate ? Non, depuis que t'es dans l'entrée secrète, la position elle est plus accurate. Bon bah je vais continuer. Hein ? Ça c'est terrible. Tous les aléatoires ont été proc. Actuellement, il y a ceci devant toi. Et il y a une trappe au-dessus. Genre au plafond. Ouais. Volsi, un autre lancer 2D. Oh putain, mais c'est un malade mental. C'est de la merde. T'es un fou furieux. C'est de la merde. J'ai juré, t'es je un crois fou que furieux. Ça va être absolument terrible ce qui vient de se passer. Là, t'es c'est la fin du monde. T'es un fou furieux, mais t'es un malade mental. Tu es agressé. Oh non, qu'est-ce qui va se passer? Trois personnes sont devant toi. Un Philiums. Un Philiums Crotoxe. Et Philiums 1. Salut les frères. Le jet de dés que tu vas devoir lancer va définir l'hommage que tu vas choisir. Il y a du coup trois hommages. 1-2 sera le Philiums Crotoxe. 3-4 sera le simple Philiums. 5-6 sera le Philiums 1. Toi, lancer le dé, tu as moins 1. Allez, un petit Crotoxe, c'est plus facile. Ah, non, 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 si allez. Si je fais un 1, ce serait magnifique. Il faut au moins le Crotoxe. C'est quand même le plus stylé. 6. Oh, oui, ouais. C'est donc un 5. La volonté a parlé d'elle-même. Philiums 1 t'offre un point de volonté. La run se termine là-dessus. Ah bah enfin, putain, ça fait du bien. Oh le frérot. Bravo. Oh bien joué, Volsi. Philiums, oh bien mais... Bien joué. Oh, oh là là. Ça aurait pu être largement pire. Ah putain, ça fait du bien, oh, parce que c'est pas une volonté, il faisait chier. Hein. Mais lui, faut retourner le voir. Hein. Oh yes. Attends, mais je mets ça à jour tout de suite. Enfin, putain, yes. Oh là là, mais merci, mais putain, mais... Les gars, il y a une quête avec lui, la prochaine fois, au reset du monde, faut aller le voir. Hein. Deuxième run. Ok. Oui. Ah oui, pardon, excusez-moi. Hop, c'est bon. Oh là là, je suis trop refait, les gars. Yes. Ah ouais, bah on est content aussi, hein, parce que c'est vrai que cette volonté, ça faisait mal. Ah, ça me cassait les couilles. Les 8 heures, vous êtes à ce fameux croisement. Surtout que t'as fait 0-0. Ah, mais sur une zone où il y avait 4 aléatoires, donc ça va. Ouais, je m'attendais à un truc bien pire, au final, ça lui a été bénéfique. Ah non, c'est... En fait, c'est une mini-zone dans une zone dans une zone. Donc, vraiment, il y avait rien du tout à trouver, quoi. Par contre, le visuel juste avant, c'est très bizarre. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans cet endroit, mais... Une expérience ratée, peut-être. Déjà, c'est peut-être plus un labo que vraiment une base. Ouais, ouais, peut-être. On y retourne ? Dans la banquise, ouais. Et puis, il faut vérifier la théorie du... Est-ce que ça le fait à chaque run, le truc des animaux qui bougent ? Ouais. Du coup, on va à la place du Nouvel Astralia.
Vous êtes à la plage du Nouvel Australia. Une fille vient vous voir. Attends. Qu'est-ce qu'il y a ? T'as tardé. Attends. Je cherche aussi. Elle a quitté la zone. Attends, elle allait nous voir pour la première fois, nous a pas insulté d'attarder. Et elle allait partir en fait. Voilà, voilà. T'es gars, t'es raté. Elle a fait. Le gars qui est perplexe. Ouais. Oh, c'est pas la première fois. T'inquiète. Parce qu'elle insulte tout le temps d'attarder, mais à chaque fois elle a raison. Pour une raison différente. Et ouais, là, elle avait pas fait, j'ai déjà vu. Bon. Bah, on va continuer. Ouais. Là, c'est alors, c'est 2D. 4. Il y a un clan pas particulier. On va continuer à l'est. Ouais, continue, c'est bon. Alors, c'est 2D. Il est sympa, les gars. 2. Oh non, 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 c'est bon, moi, c'est les mecs là. Attends. Ah non, c'était. Vous tombez sur 2 personnes. Fallait les voir. Bonjour. Bonjour. Salut. Est-ce que vous savez où c'est? Village Bladders. Village Bladders, ça existe plus, ça a été racheté. Oh. Maintenant, c'est la Cité Lair. Cité Lair. C'est où ça? C'est à l'est. On peut les amener, Rodis? Oui, ça va, on peut. Donc, vous pouvez nous suivre, on va y aller. Ok. Par contre, les gars, Y a un mec devant. Y a un vigile, quoi. Et faut le taper. Ok. C'est genre un filtre en fait. Parce qu'il laisse pas passer n'importe qui, tu vois. Ah, tu peux pas rentrer, quoi. Bah, ouais. Nous, non, ouais. Ok. Mais vous, ça devrait pas poser problème. Du coup, on va au sud. Ils vous suivent. Un seul et unique lancé de dés. 6. Il n'y a rien. Vous arrivez à la nouvelle place d'Australia. Alors, faut savoir que quand ils vous suivent, ils font des danses cheloues. Au croisement. Vous êtes à ce fameux croisement. Qu'est-ce que c'est que ce mur jaune? Et toutes ces minerais? Ouais, bah voilà, c'était là avant. Est-ce que ce serait pas. Village Bladders? Entre autres. Du coup, l'entrée est là-bas. Ok. Bonne chance. Merci beaucoup, messieurs. Au revoir. Pas de soucis. Ils rentrent. Vous décidez de rentrer avec eux si vous le souhaitez. Pas goût, hein. En vrai, on peut essayer. Non, non. Allez. C'est tapé le filtreur. On est avec eux. Vous êtes agressés. Merde. Ouais, c'est bon. Ça faisait longtemps en plus qu'on l'avait pas vu, le racketeur. Ah putain, j'ai cru qu'ils étaient contre nous, j'étais en mode quoi. Quoi. Les Jellyfi ou Garodis de Volsi face aux racketeurs d'éther de la Tessie. Ah ouais. Ah, ça faisait longtemps, putain. Attention, j'ai 2D de Tenefi. Une seule balle d'AK1 suffira à anéantir le racketeur de la Tessie qui sera détruit sur ceci. Voilà, one shot. Y a même pas d'affrontement là en fait. C'est détruit. Ok. Putain. On n'a pas la même puissance, hein. Ah non. Oh, cette musique. La musique du DLC. Et là où le filtre? Bah. Ah, attends, y en a plus. Quoi? Nous, on passait pas, quoi. Après, y en a peut-être d'autres de filtres. C'est ce robot là, le filtre? Ouais, c'était ça. Ouais. Oh là là. Ah, merde, je peux le plier. Il est tout cassé. Bah, vas-y, essaye, mais. Tu peux faire un jet de fouillage, d'accord? Tu peux faire un jet de fouillage si tu le souhaites, oui. Ok. 5. Tu peux y trouver la batte lumineuse de la Tessie.
La batte lumineuse cloutée sa mère du racketteur d'éther de la Tessie, pardon, c'est le nom exact de l'item. Ok, bah je peux la ramasser du coup. Si tu le souhaites. Je sais pas si c'est un blasphème ou pas ça. Ouais, c'est vrai que c'est quand même la batte du racketteur quoi. C'est la batte cloutée. Il n'y a plus de racketteur maintenant. Du racketteur d'éther de la Tessie. Après, je peux devenir le nouveau racketteur. Hein. Je t'explique vite fait, là il y a la braqueuse, elle va le réparer. Elle va voir qu'il a plus sa batte. Elle va nous traquer en fait. Elle peut savoir que c'est nous juste parce que quelqu'un l'a ramassé. C'est les dealers, mec. Ah ouais, c'est vrai. C'est pas n'importe qui. Garage du village Bladet. En fait, oh là là. À partir du moment où on l'a détruit, ce racketteur, on va forcément être traqué. On n'est pas du tout dans leur bonne vision. Là. Non, c'est un filtre. C'est pas. C'est genre, il laisse pas n'importe qui passer. Jellyfi quitte la zone. Bah écoutez, je sais pas, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On se balade dans le village On peut aller au bar. Écoutez, après. Vous avez cette zone depuis ici. Le restaurant Chespacho, la manufacture nobilaire, le port nobilaire, le théâtre de la princesse Offenshael, la résidence Lahir, la maison de Dame Champignon et le parc nobilaire. Il paraît que c'est pas une bonne idée. Ah bon? Bah, je crois qu'il y a Fanfelosia. Et pareil, d'après les anciens, qu'elle fait des trucs pas fous sur l'affiche. Non. Alors, on considère qu'on part en conscience filiale, ça, quand même. Ça sert à quelque chose. On va voir Chespacho. Ouais. Est-ce que tu ramasses la batte cloutée sa mère la lumineuse du racketteur d'éther de la Tessie Yugawa? Vous en pensez quoi? Je pense que c'est une très mauvaise idée. Parce que moi je la veux, mais quand même. Attends. Ouais. Après, on peut la ramener au rappeur, mais je sais pas ce qu'il en foutrait. Bon, ça me dérange pas de faire ça. Je sais pas que. Ouais, je sais pas si ça a une utilité pour lui, mais s'il en a une d'utilité, go. Après, si on est des citoyens modèles, on peut la donner au responsable. On va voir c'est qui gère la cité, et puis on leur donne la batte. C'est vrai qu'on peut dire que voilà, on est passé par hasard et qu'on a vu le racketteur par terre avec la batte à la main et que voilà, on sait pas ce qui se passe et qu'on vient rendre la batte pour pas s'attirer de problème. Quoi. Bonjour madame la braqueuse, on vient vous rendre la batte du racketteur. Ouais. Ça peut être une solution pour être bien vu. Je dis, on ramasse la batte et on va à l'administration ou un truc comme ça, on va voir quoi. Moi je sais pas. C'est quoi les stats de batte d'air, on peut savoir ou pas? Portée 3. Tu l'as dans. Ah, mais t'as pas le magasin du rappeur? Non. C'est un truc sale de toute façon. C'est vraiment c'est énervé. Ça. Ah ouais? Non. Après, on pourrait prendre cette batte et se balader ailleurs et faire de l'exploration avec une putain d'arme. Après, voilà, c'est ce que je disais, la batte là. Dans l'autre monde, je pense, elle est bien. Ah ouais, ça peut être une bonne idée, ça, LG Rodin. Il y a juste un petit problème, niveau de maître d'armes 3 et requis catégorie 5, donc... Ah ouais. Voilà, quoi. Effectif... Alors, c'est pas dans War Regents, un truc comme ça, que ça marche, quoi. C'est effectif aussi sur... Je pense. Parce que ça, c'est des dégâts de lumière que ça fait, la batte, là. Tronchage, carcasse, lumière, ouais. Ah, elle est équipable ou pas, la batte, là, actuellement? On peut l'utiliser ou pas? Alors, ouais. Oui, on aura des gros malus. Oui, mais t'auras des malus. Ok. Bon. Quand même con d'avoir une arme qui nous apporte des malus, hein. Dommage. Ouais. Bah, dans ce cas-là, on peut soit aller voir le fameux responsable pour lui rendre, soit aller voir le rappeur s'il en a besoin. Voilà, deux solutions. Vous voulez être dans quel côté? Le côté rappeur, le côté responsable? Ah, le côté, je laisse la braqueuse le réparer tranquille. Oui, non, mais non, mais ça... Oh. Et nous, on visite. T'as dit quoi, Rodin? On va redonner la batte. C'est genre... Oui, c'est ça. On a les moyens d'avoir une interaction avec cette batte. Moi, j'aime bien cette batte. Je veux en faire quelque chose. Parce que là, c'est un filtre. On a réussi à le passer, sauf qu'il s'avérait qu'on l'a complètement pété, le machin. Donc, on va le premier. Après... On laisse pas la batte à l'entrée, quoi, parce que là, il n'y a plus de filtre. Je sais pas ce qui se passe exactement, comment ça se passe à l'intérieur, mais...
Est-ce que, du coup, enfin, peu importe que le racketeur soit au sol, est-ce qu'on a le droit de rentrer en temps normal ou pas, selon eux? Bah, logiquement, on a fait partie du combat, donc... Ah, mais ça, ils le savent pas, ça. On peut dire qu'on est arrivé après, qu'on a vu l'entrée accessible, et voilà. Mais est-ce que ça serait autorisé dans tous les cas de rentrer? Parce que si on va rendre la batte, mais qu'ensuite ils nous agressent parce qu'on n'est pas censé être là, je sais pas, hein, je connais pas du tout comment ça se passe chez eux, donc... Bah, en gros, ils ont mis le racketeur ici comme filtre, genre pour rentrer, il faut d'abord le combattre, hein, pour prouver un peu ta valeur, quoi, que t'es pas un random. Ah d'accord, ok, d'accord. Okay. Donc en soi, si on a réussi à rentrer, après c'est bon. Bah dans ce cas-là, ce serait une mauvaise idée de dire que on est arrivé par hasard et qu'on l'a déjà vu au sol, parce que du coup, on n'aurait pas vraiment passé le filtreur et on serait peut-être très mal vu. Ouais. Donc on pourrait dire que en effet on a passé le filtreur, mais que voilà, par respect, on venait rendre la batte. Moi je propose on fait ça. Donc on prend la batte. Allez. Et on va. Qui la prend? Ah. Vas-y, Rodis, t'es catégorie 2, t'es celui qui peut la mieux la porter. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Je suis le bras armé de l'équipe. Rodis transporte la batte cloutée sa mère la lumineuse du racketeur de terre de la Tessie. Ça fait quoi de la porter? C'est lourd. Du coup, c'est quoi les 7 zones disponibles là? Restaurant de Chespacho, manufacture nobilaire, port nobilaire, théâtre de la princesse Offenshael, résidence Lahir, maison de Dame Champignon, parc nobilaire. Donc ça serait la résidence, je pense, pour aller. Ou la manufacture. Ouais, manufacture, je pense, c'est tout ce qui est armes et tout. Donc logiquement, ce serait là. Hein. Allons-y. Qui gère les armes, mais... Bon, on va y aller. On va à la manufacture. Ouais, on va voir en tous les cas. Vous allez à la manufacture? Oui. Ouais. C'est l'ancien garage de Galvin. Du coup, il doit y avoir... C'est un garage grandement ouvert. Oh là là. Il y a les deux personnes suivantes. Et cette personne. Faut aller la voir. Ok. C'est la braqueuse qu'il faut aller voir. Ouais. Du coup, on va voir la braqueuse. Bonjour. Salut, on regarde. Salut. On a réussi à passer le feed, sauf qu'il s'avère qu'on a détruit le racketeur. Donc on vous ramène sa batte pour pas qu'elle traîne. Elle vous pointe la marchande. D'accord, bon, on va aller la voir. Merci. Au revoir. Du coup, on va voir la marchande. Bonjour. Où est le reste? Il est à l'entrée. Ça s'est mal passé, il a été détruit. Donc on vous ramène sa batte. Pourquoi vous ne ramenez que la batte? Ah, parce que... Vous ramenez le corps aussi, si vous voulez. On peut toujours faire l'aller-retour. Bien, allez-y. Ok, bon, on revient. Bah, je vous laisse la batte. Et du coup, on sort et on va. La batte est déposée sur le comptoir. Allez, sortez. C'est parti, on va le chercher. Ouais. Ouais. Conscience qu'il y a un petit problème. Quoi? Il est catégorie 5. Catégorie 4. Ah oui, c'est vrai. Putain! Vas-y, il nous manque quelqu'un dans notre groupe, j'avais oublié ça, putain! Vas-y! On peut pas invoquer un collègue! Monsieur Clerc, quelle aide! Après, on peut peut-être trouver un PNJ qui pourrait se griller auprès du nobilaire! Oh, amour! Surtout qu'on peut pas leur dire on n'est pas assez fort, ce serait débile! Eh, on a affronté votre filtre, mais on peut pas le porter, on est pas assez fort! Bah écoutez. De merde. Non mais. Attends. Je vais juste. Oh, sinon, on va au restaurant, on dit qu'on s'est paumé, s'ils nous retrouvent.
Non, mais ça fait chier. C'est la première interaction qu'on a avec nos villers. On a l'air des cons. Non, mais on aurait dû aller voir le rappeur. En plus, j'avais le sentiment que c'était mieux d'aller la rapporter au rappeur. On était sûr qu'il allait faire de la merde. Aïe, aïe, aïe. Il y avait des armes villers là-bas. Après avoir débloqué la démo, le DLC, Lair, il tente son move. Après, il fait... Alors, elle se redure, c'est l'endgame. C'est l'endgame, les interactions, c'est l'endgame. Bah écoutez, on a au moins rapporté la batte, hein, c'est déjà bien, on a fait notre bon devoir de citoyen. Non, bon, mais... allez, on va au resto, on va se faire une petite plaisir là. Oh là là. Allez, le petit repas à 100 grosses sommes, là, c'est parti. Je suis dévasté, je sais pas. Ça va vraiment, là, ça me casse les couilles. C'est... Mais non, mais en fait, dans tous les cas, on s'en fiche. On aurait pu en bénéficier, mais on peut déjà être content d'être rentré dans le village alors qu'on n'est même pas censé pouvoir à la base. Donc autant. Non, mais l'endroit où on a été, en fait, c'est les armes nobilaires. C'est les armes et les stylos, en fait, qu'il y a. Ouais. Et du coup, ça, là, on peut pas y retourner. On aurait pu voir le magasin. C'est ça qui. C'est absolument terrible, en fait. Ah, écoutez, go explorer, on va peut-être trouver une solution sur le chemin, on sait pas. On peut même pas le pousser. On peut pas le dépasser. Après, on aurait pu le traîner quand même à 3. Putain. Vous avez pas la force littéralement pour le déplacer, c'est un cyborg en titane. Oh. Il est détruit, je peux même pas essayer de le réparer. Bah, ça change. Ouais, si en deux morceaux, on peut faire un aller-retour. Il est pas en deux morceaux, il y a genre une balle d'AK1 dans la tête. Ouais, donc faudrait un mécanicien. Bon, on va au restaurant au pire. Ah, go! En plus, on peut rien faire là. Vous allez au restaurant de Chespatch? On dit qu'on sait pas, mais. Oui. Très bien. Mais non, mais c'est encore plus nul. Mais non, mais non. Je sais pas. On va dire qu'on va. Oh, la musique! Oh, c'est si beau, putain! Ah oui, c'est beau ça, c'est magnifique ça. Quoi? C'est lui qu'on cherche, non? Mais même pas. C'est un autre? Je sais pas. Ah, chasse pas, Hacho. On va le voir en dernier, du coup, le raccoon. Ok. Ils sont tout au fond de la salle. Une personne vient vous voir. Que puis-je pour vous? On visitait, voir ce qu'il y avait disponible ici. Ouais, on voulait voir ce que vous proposiez ici. Le restaurant de Chespatch n'a pas les ressources actuelles depuis la destruction du manoir. Ah, mince. Oh, le magasin n'est pas ouvert? Pas encore. Ah. Vous proposez même pas des boissons? Les boissons ne sont pas les spécialités de Monsieur Patch. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut venir faire ici? Je vois qu'il y a du monde. Eh bien... Découvrez, sociabilisez-vous. D'accord. Ah, merci bien. On va voir ça. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, me trouvez à l'entrée. D'accord. Merci. On peut aller voir Monsieur Pacho pour voir de quoi il a besoin. Je sais pas. Allez. Et ensuite, ouais. Aller voir le raccoon. Ouais. Quoi avoir chez Pacho. Au moment où vous apprêtez à rentrer dans la cuisine, une personne vient vous voir. Eh, vous reculez, sinon je vais tout sauter là et vous allez pas voir ce mec. Eh, je vais tout faire sauter, recule. Pourquoi? Eh, je vais tout faire sauter. Qu'est-ce qui se passe? Moi je fais tout sauter. Tu vas tout faire sauter, toi? Ah, je vais tout faire sauter, en fait. Ok, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Ah, voilà. Ah, tu sais pas? Ok, il y a des membres de ta famille qui sont en train de se battre contre Krumrar. C'est pas ma famille.
Ah, c'est pas ta famille. C'est usurpateur de merde. Alpol, des gens qui usurpent mon identité. C'est moi l'original. C'est que des copies. Ah, c'est des sortes de clones. Mais oui. Qui alors exactement? Et je vais tuer, je vais les faire sauter, je vais faire sauter tout, je vais te faire sauter. C'est qui a décidé de faire des copies de toi? C'est pas moi. Oui, mais c'est pas qui ça? On prononce pas son nom ici en fait, si tu veux rester en vie, d'accord. Tu peux aller dehors alors, si. Je fais tout sauter, moi, je fais tout sauter. Tu peux pas nous donner plus de détails sur ces copies? Quand tu veux quoi? Tu veux quoi? Bah, tu veux quoi des détails pas, veux des détails? Bah, ils ont des armes qui m'ont volé. Ils ont volé tes armes? Ils ont volé mes armes, ils ont tout volé, même la peau, les poils, ah, ma fourrure. Ah. Ok. T'as pas su te défendre? Mais non, il y a la personne qui travaille avec eux. Et c'est qui cette personne? On peut pas. Mais dis, je vais tout faire sauter. Tu m'emmerdes, Mais non, mais non. Ah, je vais tout faire sauter. Attention, hein. J'appuie sur ce détonateur à tout moment. Attends, du coup, j'imagine que tu les charges. Il va de rien se passer. Quoi? Oh, oh. Arrête. Le provoque pas, mec. Elle me provoque pas, Et tu sais pas de quoi je suis pas capable. Du coup, j'imagine que. Ah, ça, j'en doute pas que t'es capable de plein de choses, mais quand même. On n'est pas dans un lieu. C'est pas un lieu adapté à ça, quand même. Et sinon, tu voulais pas qu'on aille voir les cuisines Non, vous allez pas voir Chespacho, non! Mais pourquoi? Mais parce qu'on va pas voir le cuisinier en cuisine! C'est la face de la cuisine! Mais on voulait l'aider! T'as un métier cuisiné, tu sais cuisiner, t'as une gueule de bûcheron sale con! Je vais tout faire sauter! D'accord. Allez, pèse-le-dessus! Bon, t'as quoi contre le cuistot? Qu'est-ce qu'il t'avait? Mais vous allez pas voir le cuistot! Mais il faut expliquer, il faut des raisons quand même! On ne dérange pas un cuisinier dans sa cuisine! Bah, on va pas le déranger si on vient l'aider! Tu t'aides personne! Eh, tu t'es vu? T'es capable de quoi? Bah, je suis capable d'aider le cuistot, tu sais pas, je vais aller le voir. Ah oui, d'accord. Bah ramène ouais. Des poitrines de Scarcrotoxeux. Alors, elles sont les poitrines de Scarcrotoxeux? On attend les poitrines de Scarcrotoxeux. On va voir. Il nous faut du hard DJ pour la sauce, comment on fait? T'as du hard DJ sur toi? T'as pas du hard DJ sur toi? Non, on sait même pas ce que c'est. Mais je peux aider le cuistot, ouais. Eh, vous êtes des guignols. Bah, tu nous dis où on peut en trouver. Je vais tout faire sauter. Or, des DJ, ça se trouve sur l'escarre de ces vestiges lointains. C'est au sud. Oh, c'est quand même loin, quoi. Vous allez au sud, vous croisez un scarcrétexé, vous lui minez la gueule, vous revenez avec le cadavre, et ensuite, là, vous pouvez dire « Oh, monsieur Chespacho, tenez de la viande pour vous. Oh, merci, que moi, que je fais pas ça. » Ok. Bon, du coup, tu fais quoi, toi, ici? Eh, moi, si y a un problème, je fais tout sauter, moi. Ah ouais, t'es juste là pour faire tout sauter. Super. Ouais, je sécurise les lieux. T'as pas peur des conséquences? Tu t'en fous de tout? Sécurisation les lieux. Tu peux pas sécuriser les lieux si tu fais tout sauter dès qu'il y a un problème. Un problème n'est plus un problème si on fait tout sauter. Oui, dans la logique, ça se tient. T'as pas peur qu'on fasse sauter toi si tu fais ça? J'ai survécu à des choses. T'as survécu à des choses, mais apparemment t'as peur de quelque chose dont faut pas prononcer. T'ignores. Ah d'accord. Ça fait des choses. Vous voulez faire les malins? Vous voulez faire? Vous voulez qu'on fasse une course à l'énigme sortant? Premier qui sort du labyrinthe. Ouais, c'est chaud là. Ah, tu ouvres-moi ta grande gueule là. Ouais, mais toi tu vas faire péter des murs. Allez, moi je fais tout sauter moi. Bon, du coup, à part faire péter des choses, t'es là pour rien, y'a pas de raison? Ramenez-moi les copies, après on parle! Je veux qu'on te ramène des copies, non, mais elles sont en train de se battre pour sauver le monde là! En ce moment, toi tu fais rien, t'es en train de squatter dans un restaurant à vouloir faire péter des trucs! Je vais faire quoi sans armes, pauvre con?
Va en trouver là, tu crois que t'es utile à faire ce que tu fais? À chaque fois que j'ai trouvé une herbe, on me l'a volée. La dernière fois j'avais trouvé des super dés, on me les a volés. Ouais, pas une grande menace. Du coup, il a pas d'arme en fait, il peut pas se faire sauter. Attends, quand tu parles, on comprend rien. D'accord. Ouais. Bon, du coup, tu fais tout péter si on va voir le cuistot? Vous allez pas voir le cuistot, vous allez pas. Allez, je fais tout péter si on. Ah, vas-y, bah, tu vas vraiment le faire ou pas? Me teste pas! Me teste pas! Me teste pas! C'est quoi la pire chose que t'aies pu faire? J'ai pas dit au revoir à ma maman. Il y a un peu de sensibilité quand même en toi. Je vais donne une apparence de brute, mais en vrai, au fond de toi, t'es tout doux. Je vais tout faire sauter. Non, mais je ressens que t'es quelqu'un de tout gentil au fond. C'est juste que c'est un moyen de défense pour toi de te menacer de tout faire péter. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu parles, mais il y a rien qui se passe. Oui, mais tu parles, il y a rien qui se passe en plus. Moi, si je veux, je fais tout péter. J'appuie sur la détonation non, là. Mais et là mais non, tu vas pas faire. Il y a aucune raison que tu le fasses, tout va bien se passer. Tout le monde pète, tout qui pète en fait, c'est tout. Ouais, là, il y a rien qui pète. Me teste pas. Tu vas pas le faire. Répète-le pour moi. Tu vas pas le faire. Tu vas agresser. Merde. Putain. À tout moment, le raccoon fait tout péter. Le problème, c'est que comme il l'a dit, quelqu'un lui a volé ses dés. C'est Dior Cascade qui va devoir du coup lancer les dés pour lui. Seule une réussite critique pourrait tout faire péter. Attention! Dior Cascade, lance son dé! Attends, on sait pas ce qui va se passer. Hein. Putain. C'est quoi ça? Ce dé, elle est trop saine, ça, putain! Vas-y, Raccoon! Vas-y, Raccoon, attention! Le Raccoon lance un dé! Tu fais rien péter. Le Raccoon met fin à votre session! Fin de la session. Mais quoi putain. Rodi, t'as poussé le bouchon trop loin, putain. Mais putain, j'ai provoqué. Ça fait sauter votre troisième Rodlis. Il a tout fait sauter. Oh là là. Vous avez des reconnaître. Non mais tu vois, là Rodi, je sentais que t'étais allé trop loin sur ta dernière phrase, vous savez, c'était sûr. Il fallait le tempérer un peu, il fallait jouer avec lui et pas aller jusqu'au bout. Ah, ah putain. Ce raccoon est si puissant. Il est si puissant. C'est vrai, je pensais qu'il n'aurait pas d'armes, qu'il pouvait même pas se faire péter. J'ai tellement pensé qu'il allait faire un 6 qu'il a fait un 6, ça me saoule. Ça n'empêche qu'il a une vie de merde, il se fait tout voler. Même son identité, 5 fois. Oh la vache. Ah mais il faut l'aider les gars. Non mais en plus j'aurais voulu savoir la personne dont tu parlais, mais bon. Mec, moi je propose, on lui ramène la copie. Pense quoi. Remarquez quand même qu'il appuie sur le détonateur, vous êtes déco. Bah quand même, c'est bien. Et vous êtes déco de la réalité 1 parce que vous avez même pas votre deuxième, votre troisième run. Hein. Votre session elle expire. Il est trop fort. Vous l'avez sous-estimé. Vous avez sous-estimé le raccoon de la cité Lahir. De toute façon, les gens, quand ils disent quelque chose dans cet univers, ils le font. Une fois, Mandurku, il a dit « Si vous revenez me parler, je vais imploser. » Ils l'ont revenu parler, il a implosé. Ah oui, d'accord. Faut pas sous-estimer les gens comme ça. T'as abusé, Rodi.
J'avoue que là, j'ai dit que c'était la fin quand il a parlé tout près de son micro. J'ai dit qu'il a parlé bien proche en plus, genre, non, tu vas pas voir. Parce qu'il y avait moyen qu'il le fasse pas, quoi. Non. J'étais sûr qu'il aurait... Qu'en fait, il s'était vraiment tout fait voler et que du coup, il pouvait pas se faire sauter. Bah, hey, même ses dés, on les a volés. Oh non. Ton ressentiment, Calamitique. Sur ce raccoon. Pas mal. Et il est bout de bée. Encore provoquer le karma, Rodizen. Le 6 était scripté en fait, c'était sûr. Ouais. Il a dit. Elle vient à la birra de sentier. On a un raccourci pour y aller, mais pas pour en sortir. Ça veut dire il est allé là-bas, et genre, il est ressorti. Vas-y, putain, on a même pas pu profiter de notre exploration. Quoi. Bah, legit, tu la méritais pas, l'explo, frère. Vous êtes fait carry par ouais. Téléfi, frère. Vous avez juste provoqué votre propre mort. De façon très drôle, mais... Ouais, c'était marrant, je le regrette pas, mais... Non. Mais c'est vrai si, que... Si. Ah, putain. Par contre, on est d'accord que l'autre, il a capté la conscience filium, parce qu'il a dit, on comprend pas ce que tu parles. Oui. Par contre, on en parle que du coup, les raccoons de base, soi-disant le modèle original, il a ce délai. Je sais pas, ça a l'air de passer à travers tout le monde. Hein, mais... mm-hmm. Non, parce que je connaissais celui qui volait, mais celui qui les jette de base. Tu sais, du coup, tu sais où ils sont les sires, du coup, les Ouais, voilà, je sais qui c'est qui les a, les sires. Oh là là, cette vengeance. Ça doit être méga compliqué à faire la quête de ce raccoon. Le plus intéressant, c'est votre prochaine incarnation. Ah. Oh non. Vous voulez la faire maintenant ? Allez, oh ouais, go, let's fucking go. Allez, bonne chance, les gars. Il est chaud, l'heure ouais. D'assumer. Eh bien, mettez-vous en prêt. Oh shit. On est stepé dans le labyrinthe. Bonjour 1, 8h, croisement. Oh, tout se passe bien. Je décolle. Non, mais c'était une idée de merde de faire cette putain d'incarnation. Le labyrinthe sortir. Et c'est reparti. Mais pourquoi, putain, je veux pas y retourner. Alors, c'est juste cette incarnation-là ou... C'est notre spawn en fait maintenant. You don't bitch sucks, zéro. No. Bitch, putain de bordel de merde. Ah. 0 jour 1, c'est normal ça ? Oui. Oui. Enfin non, mais ici. On a déjà vu semaine moins 2. Moins 3, je sais plus combien c'était. Allez, bah on erre, on peut faire que ça. De toute façon, c'est parti. Alors 2 lancers de dés. 2 lancers de dés, ouais. 4, 2. Vous êtes agressé par un pulseur sentient. Attention, j'ai l'esquive pour la pulsation de dégâts viral. Super. Bon, allez, mais c'est bon. Supérieur à 6, relancez 2D. Ouais. Ah, dommage, fin de la première run. Attends, mais on va se taper toutes les runs là-bas maintenant, c'est bon ? D'accord. Bah, si c'est que la première, ça va. C'est une très bonne run. Deuxième run de la deuxième session. Non, parce que c'est des trucs virales là. Ouais. Il va y avoir d'autres trucs. Allez, il est 8h et vous êtes à ce fameux croisement ? Non ! Non, mais c'est de la merde.
Aïe. Vous êtes au labyrinthe Centurion. Oh, c'est... De lancer 2 dés. 6, 6. Waouh. Mmh. Wow. Alors ça, il y a des gens, ils sont très 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 doués. Vous arrivez devant le spawner à Centurion d'impulsion plasmique. Est-ce que vous rentrez dans ce bâtiment? Un jeu de sniper peut-être? Oui. Tu peux redire le nom s'il te plaît? Le spawner de Centurion à impulsion plasmique. Spawner de Centurion. À impulsion plasmique. Un jeu de sniper. Un jeu de sniper. Ça va rajouter un aléatoire si tu fais ça. Ah. Ah. Ah si, ça va peut-être faire un port de fou. Après, si tu fais un 1, il y a X. Ah, l'un dans l'autre. Okay. J'ai les duels. Il est en train de faire une équation des inconnus. D'accord. De toute façon, là, c'est soit. Le seul choix qu'on a, c'est soit on entre, soit on entre pas. Pas d'autres. D'un point de vue de les règles basiques du script du docteur, vous avez trouvé ce qu'il y avait de mieux à trouver dans cette zone. C'est vrai, c'est un site. Mais le nom. Le docteur est valable partout sauf aux enfers. Le nom est. Je sais pas, il sonne pas amical. Après, faut raisonner logique. Faut être 100% objectif. On est dans une zone sans science. Voilà, donc c'est 6, c'est bien. Donc ça, c'est forcément bien. Ok, bah go là, on y va. Donc je pense que le mieux à faire, c'est d'y aller. Allez. Allons-y. Vous y allez? Oui. Dans ce bâtiment, vous marchez sur un labyrinthe, mais miniaturisé. Avec le métier cartographe, vous auriez pu retenir tout le labyrinthe vu d'extrêmement haut pour en connaître tous les aléatoires une fois dedans. Ça, c'est le sol. Au-delà de ceci, il y a tout un tableau de commande, un tableau de bord, qui nécessite hacker niveau 1 pour le contrôler correctement, ou technicien niveau 6. Mais il y a un bouton sur lequel il y a marqué des mots en astralien. Il y a marqué quoi? J'ai pas entendu. Il y a marqué des mots en astralien, en français si tu veux. C'est marqué Ruine Centurion. Tout le reste, c'est du langage que vous ne pouvez pas comprendre, dans lequel vous n'avez pas les connaissances dans tous les cas pour pouvoir, oui ou non, paramétrer le plasma. C'est clairement pas une zone early game, ça. Ça se sentait déjà avant, mais là, non, ouais. C'est sûr. Faut pas y aller. Oh là là. T'en fais quoi de ce bouton? Il est quelle couleur le bouton? Bah, je sais pas, turquoise, cyan, bleu ciel. Bleu. Ok, ça va, il est pas rouge. De toute façon, c'est soit on appuie dessus, soit on retourne dans labyrinthe pour pas savoir ce qui va se passer. C'est ça. On va pas savoir ce qui va se passer si on appuie sur le bouton. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que si vous aviez à cœur niveau 1, vous auriez pu matérialiser depuis le labyrinthe miniature qui sert actuellement de sol, les aléatoires, pour savoir du coup ce que vous allez trouver ensuite plus tard, pour scripter vos lancers de dés. C'était ouf ça. C'est stylé. On aurait pu trouver X. C'est très fort. On a appuyé ou pas? Ouais, moi je vote pour. Allez. Ouais. D'appuyer? Tu veux retourner dans le labyrinthe? Bah non, mais. Bah voilà, donc on appuie. Vous appuyez? Vous êtes TP. Ça pourrait pas être pire de toute façon, on est TP. Vous êtes au milieu de deux frontières. Je suis pas très sûr. Devant vous, les ruines Centurion. Derrière vous, le temple. Mais du côté Centurion. Où est-ce qu'on... Festile. On peut au moins dire festile. Faut du coup aller du côté du temple, la civilisation entre guillemets, ou les terres, ou les ruines Centurion, pardon. Peut-être plutôt côté civilisation, non? Ouais, dans ce temps, j'irai, ouais. Ça. Après, voir ce qu'il y a. Les ruines. Donc on va côté ville, le temple. Ouais.
Très bien. Pareil qu'on après on avait à pied pour ruine, mais je sais pas. C'est quel OST ? De lancer le dé. Vous êtes actuellement en train de vous balader dans les rues du temple. Il y a personne. C'est un temple ambiance, ça. Contrairement au visuel, il n'y a personne. Ok. 4, 5. Un pulseur déchu survole la zone. Alors je me sens pas en sécurité, mais je me prends beaucoup l'ambiance de cette. On va continuer. 3, 2. Il n'y a rien. Ce serait marrant qu'on fasse une suite de prismes ici. Non, c'est pas marrant. Non. Tu vas juste débloquer la classe explorateur, non ça. Ah. T'apprends qu'une suite de prismes dans un endroit où il n'y a pas le prisme, ça te donne la classe explorateur. Non, c'était pour savoir s'il y avait plus. Non. Il n'y a rien. 6, 1. Ah, X peut-être. Une créature s'approche de vous. Mais merde, elle est où sa musique à ce con? Attends, j'étais en train de me dire, d'accord, elle s'approche, mais on peut pas la voir, il y a un truc, non? Ah, il manque une musique, putain, ça fait chier. Je vais le mettre ça du coup. Mais cette créature qui s'avance. Le côté de la créature s'ouvre. Vous pouvez décider de monter pour les rejoindre, si vous le souhaitez. Allez, on peut monter. Quoi? Mec. On se concerte avant, je sais pas. À l'intérieur, je sais que c'est des sentients. Genre. Plus comment il s'appelle, mais c'est un crotteux ce sentient qui transporte des sentients. Donc, concernant l'échelle de l'image, nous on fait la taille des humains qui sont là-dedans. C'est ça. C'est ça. Okay. Vous voulez vraiment tenter le voyage? Bah ouais, on va voir où ça nous mène, non? Ouais, déjà. De toute façon, on est perdu dans tous les cas, donc qu'on aille à droite, à gauche ou sur cette créature. Ouais, mais on sait pas où il va nous emmener, là on est sûr d'être dans le côté civilisation. Ouais. Ok. Non, je propose d'y aller quand même. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah je le suis. D'avoir une interaction que de spammer des aléatoires. C'est désormais rétraxé qui verra les aléatoires. S'arrête. Il y a une personne dans la zone. Dans une voiture. Oula. On va la voir, c'est la seule personne qui a l'air humaine. Ouais, bah ouais, je suis d'accord. On y va. Bonjour. Approchez pas. Bonjour. Ok. On s'approche pas. Foutez quoi avec eux ou... Bah vous avez dit quoi, j'ai pas entendu. Vous foutez quoi avec eux? Nous on est complètement mépo en fait ici. On était pas sur cette là. C'est possible ça des filiums mépo? Écoutez ouais. Enfin... Nous on cherche un moyen de sortir, à la limite. Ah bah éviter de traîner avec les sentients déjà. Ah bah on avait pas d'autre... Enfin si on avait d'autres choix forcément. On pouvait continuer
des raies dans la zone et on a préféré des urgentes quand même. D'accord. Bon, venez dans la voiture. Très bien, merci. Du coup, je monte. Montez dans sa voiture ? On monte, ouais. Votre diplomatie avec les sentients passe à moins 1. Je rappelle que dans ce monde, tout est intemporel. Leyden va conduire et vous faire passer du temple sentient au temple Orokin. Ouais, putain, c'était sûr. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Hein. Je sais pas si vous en savez plus, mais moi j'ai aucune idée de ce qui se passe. Vraiment. Alors, en ce moment, vous êtes juste en train de visiter les lieux dans sa voiture. Vous arrivez à une gare. Voilà, vous montez là. Ok. Ça va nous amener où ? Ouais. C'est pas le métro d'Australien. Hein. Ouais, je me doute, mais. De toute façon. Pourquoi vous savez qu'on monte là ? Il y a quelque chose de particulier à voir ? Vous voulez partir ou participer à la guerre ? Ah là, bah c'était pour savoir, du coup, merci. Bon, merci beaucoup. Merci. Du coup, on monte dans le métro. Le métro démarre. Il y a vraiment autant de gens sur le visuel. Non, c'est des... Tu les traverses. C'est des hologrammes. Mmh. Mais le territoire sentient, ça a l'air tellement grand. Sur cascade, lance un dé. Vous arrivez au bar du temple. Juste devant. Il est ouvert. Vous pouvez décider de descendre du métro et rentrer si vous le souhaitez. Non mais le métro il va continuer sans nous, non ? En tout cas, le métro il s'est arrêté, les portes sont ouvertes. Après, il y en a peut-être plusieurs qui passent, j'en sais rien. Là pour le coup, c'est vraiment, on a aucune idée. Je préfère rester dedans quand même. Ah ouais. Ouais, ah, ça dépend, si on part vraiment dans l'optique de sortir de cet endroit comme le PNJ nous a dit, il faudrait mieux rester dedans. Après, si tu veux, si tu veux qu'on explore un peu plus, ce serait le moment. Quoi. Donc ça dépend, je sais pas, moi je suis ouvert aux deux propositions. Je sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette zone. Gilles, c'est cette partie-là du lore, j'ai zéro connaissance, je sais même pas ce qui se passe. Nous non plus. Ok. Aucun le joueur à Yoga. Ah, okay. Je vais bien aimer rentrer pour en savoir plus, pour qui a. C'est vrai que ce serait intéressant. Des infos, mais. C'est peut-être l'occasion. Peu, mais... Peut-être l'occasion rêvée. En tout cas, j'aime beaucoup cette zone. Oui. Je propose d'aller au bar. Ouais. Allez. On rentre dans le bar ? Ouais. J'espère qu'il y a d'autres métros qui passent. Hein. J'espère qu'on va le retrouver, surtout le gars. Il y a les personnes suivantes. Juste un barman. Tout le reste sont des hologrammes. Bon bah du coup, les hologrammes, on peut vraiment pas échanger avec eux, c'est vraiment pas des entités... C'est du pur visuel, tu les traverses. Ok. Ouais. Bon bah, on va voir le scanner. Ouais. Salut. Kia. Salut. Comment J'imagine que vous êtes pas venu acheter des armes. Hein bah, on peut toujours voir. C'est pas disponible, même si on pourra pas acheter. Ah, pas l'intérêt alors. Ça peut toujours être intéressant si on veut revenir.
T'es pas censé revenir. Du coup, c'est quoi cet endroit exactement? Le bar du temple. Il se passe quoi ici, hein, plus exactement? Bah, c'est la grosse ambiance. Y'a des gens qui discutent, ouais. T'as une stripteaseuse là-bas si tu veux te secouer. Et plus généralement, en dehors du bar, dans les environs, il se passe quoi exactement? Parce que nous, on vient pas du tout d'ici et on sait pas trop ce qui se passe. Une guerre entre deux races. Les Orokines et les Sentients? Ah bah, tu vois que tu sais. Ouais, c'est la seule chose que je sais. J'ai pas plus de détails là-dessus. Y'a rien que tu peux nous proposer à boire ou quoi que ce soit? Je crois pas que tu peux encaisser le nucléogène avec ce physique actuel. Je pense pas. Honnêtement, je bah pense oui, pas. J'ai des boissons, hein, mais c'est... Ça va vous arracher, les gars. Ouais, ça va nous arracher dans quel sens? Ah bah... Je sais pas si vous voulez survivre. Ah ouais, d'accord. C'est question de mort, ok. Bah, comment ça se fait avant le nom. Non, parce que bon, boisson, hein, si jamais ça vous intéresse. Du Fortzol séché, Fortzol concentré, Fortzol dilué, Fortzol bon simple, mais y a personne qui en consomme. Nucléogène, méliangue de feu radial, méliangue radial temporel, méliangue viral électrique, eau sanguinaire, herte électrique, exploit aquatique, spatio radial, la composante plasmique. Ouais, ok. Ouais, je suis pas sûr que c'est quelque chose de bien pour nous. Ouais. Sinon, là on vient du métro, y a d'autres endroits dans la ville qui sont intéressants à voir? Je crois pas que tu réalises concrètement où t'es en fait. C'est... Oui, je venais de demander des infos justement, mais bon, c'est pas un lieu de tourisme. Généralement, okay. Si t'arrives ici et que tu l'as pas trop voulu, faut partir très vite. D'accord, donc, ok. T'es envoyé ici. Ensuite, tu viens me voir parce que je suis la seule personne en fait de vivante. Et tu me dis, hey, on est Mepo, on a fait nimp sur la run, est-ce qu'on peut retourner à la surface? D'accord. Et là je m'occupe en fait de vous retourner à la surface. Ok. Bon bah du coup, comment bien retourner à la surface? Prendre le métro, c'est ça? Non. Faut rentrer dans le bar du temple, tu viens me voir moi. Tu me dis, salut, j'ai vu que t'étais le seul mec vivant ici, je suis complètement mépo parce que j'ai foiré ma run, faudrait que je retourne à la surface. Ok, bon bah voilà, c'est ce que je te dis du coup. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? J'ai rien entendu, moi. Alors entendu, salut, on est complètement. Ouais, alors salut, alors attends. Ouais. Et du coup, on vient de. Ouais, salut, on est mépo, on est notre run, on vient ici, on aimerait bien retourner à la surface. Voilà, super. C'est pas compliqué, les gars. Mettez-vous à côté de la barre de la stripteaseuse sur l'estrade. Ok, ok. Dans l'endroit auquel vous allez arriver, vous faites pas les malins, vous faites pas les fous. Vous dites, on est Mepo, on est des Philiums, on veut juste retourner au croisement. Rien de d'accord. Plus. Okay. Ok. C'est bien de dire qu'on est des. C'est compris. Là où tu vas arriver, c'est tranquille. Ok. Très bien. On fait un test. Admettons que vous venez d'arriver ici. Bah, je comprends pas, vous venez de vous TP chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? On est paumé. On est des Philiums. On est totalement perdu. On va revenir à la surface. Ah là, la surface, la tire en fait, mais t'es juste chez moi. Comment ça se fait du coup? Et là, t'as merdé en fait, parce que je t'avais dit de dire que tu voulais retourner au croisement, t'as pas écouté les informations jusqu'au bout. Au croisement, ouais. Parce que tu te crois plus malin que les autres en fait. Je peux pas retenir trois phrases. T'as assez bien compris du coup. On est prêt à... Tu veux refaire une petite test peut-être? Allez. Ah, si tu veux, hein, c'est bien compris. Allez, bah, qu'est-ce que vous faites là? Je comprends pas, vous vous êtes téléporté chez moi. On est Mepo, on est des Philiums, on veut aller au croisement. Tiens, regarde. Lui est bien lui. Tu devrais prendre un petit peu d'exemple sur lui. Là, il est. Aucun doute.
donner des hologrammes. Vous êtes TP. Donc voilà, si tu connais la phrase. Ok. Riders. Redonnez les hologrammes ici et vous texturisez pour finalement redevenir entièrement des humains. Il y a une porte pour sortir de cette salle. Bah, allons-y. Ouais. Vous arrivez dans la chambre Raiders. Une personne vient vous voir. Vous êtes chez moi ? Vous êtes arrivé comment chez moi ? Alors, on est Mepo, on est des Figums, on veut juste aller au croisement. Quoi ? Rien compris. J'ai rien compris. Vous bougez pas. Ok. Bah d'accord. C'est peut-être pas la personne qui fait le dire. Personne n'arrive. J'ai suivi ses instructions. Vous expliquez ? On est juste mes pots, on veut aller au croisement, on est des Figums. Ok, suivez-moi. Sarah prend le lead. Passez par le salon Raiders. Et les personnes suivantes. D'accord. Vous arrivez au couloir Raiders. Et les personnes suivantes. Oh mais c'est si stylé ici aussi, putain. Vous arrivez depuis le fond de cette boutique Raiders. Et les personnes suivantes. Voilà. Mi vient vous merci. Voir. Merci. Ok, merci. Wow. Oui. Stylish, la musique déjà. Bienvenue à la boutique Raiders. Qu'est-ce que vous foutez à l'arrière? C'est compliqué, on s'est TP. On est des films, c'est tranquille. Ah ouais. C'est les trucs Rose Moon, un petit peu. Ouais. Qui font un peu avec. C'est. Ouais. C'est là-bas, vous allez au sud, il y a le croisement. Ok, ouais. Merci. 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 Qu'on sort. Il est 10h, vous êtes au Nouvel Australie. Comme incarnation. Nice. Bah ouais, on est trop bien. On est revenu à la position initiale. Oh là là. J'aime bien comme le. On est des Philiums, c'est vraiment. Ah ok, bah c'est normal en fait. En vrai, ça fait du bien. Voilà. Ah, t'as l'handicapé, ouais. Tiens, la personne handicapée, c'est là-bas. Tout cet effort pour aller au croisement. Vous n'êtes pas au croisement. Vous êtes à Nouvelle-Australie. Tu dois aller au sud. Si vous voulez remplir la quête en entier, faut aller au sud, là, pour aller au croisement. Ouais. Vas-y, on se court sur le plan. Les petites trains de banquise. On est là pour ça à la base. On est passé par les pires péripéties, mais on est là pour ça. Moi je propose d'aller au croisement quand même. Faute, Ouais, si tu veux, on peut y aller. N'empêche, les Raiders. Chose, c'est ça les Raiders, tu peux leur dire au calme que t'es un Philium, c'est tranquille. Ouais, ça je savais pas. Alors pas toutes, hein, parce que la première, elle a rien compris. Ouais, la première, elle a pas compris, ouais. Et on fait un petit tour au croisement. En tout cas, il y avait le second à l'intérieur. Non. Bah, c'était lui, non, qu'on avait vu le mec. Je sais pas, je connais pas son visuel. Vous allez où ? Croisement. Croisement. Vous arrivez au croisement, il est midi. Vous recevez un message du docteur. Ah. Ah non, c'est bon. Ah. Donc là, Ouga, si t'avais rush, voilà. Rush la banquise et que tu serais mort, tu serais retourné dans le labyrinthe. Ah d'accord, ok. Okay. Ça aurait été Mais pourquoi il faut retourner au croisement pour que la sécurisation... C'est la même réponse à pourquoi est-ce que c'est ton endroit de là où tu spawns. D'accord. C'est la même réponse. C'est assez compliqué de l'avoir en plus, ta réponse. Je crois pas qu'il y ait un joueur qui la connaisse d'ailleurs, cette réponse.
Ok, bah, c'est bien, c'est bon, ça va. Du coup, on peut... maintenant, on peut se balader tranquille. Et la cité l'œil. C'est vrai que tout ça, c'est parti à la base du fait de vouloir tester le raccoon. Hein. Il t'avait dit, me teste pas. Hein. C'est vrai. Oh, mais après, il n'y a pas de regret. Avec tout ce qu'on a vu, c'est cool. Hein. J'avais pas prévu aussi loin, moi. C'est chaud. Du coup, ouais, on va finir la run à la banquise. Hein. Ah, ce soir, c'est une soirée où il se passe beaucoup de choses. Donc, si on va à la banquise, j'imagine qu'il va se passer tous les trucs inédits. Moi, je suis chaud. Allez, donc on va à la place de Nouvelle-Astralia. On sait toujours. D'ailleurs, on sait toujours pas. Alors, on passe pas par le chemin habituel. Hein. Oui, d'accord. Je m'arrête à la place d'Astralia. Hein. De toute façon, il y a une personne qui vient vous voir. Attardé. Ah, bon. Ouais, clairement. Oh, tout de suite. Non, mais si. Mais non, ça, tout va bien. Y a aucun problème. Je suis d'accord avec elle. Mais non, ça va. Aucun souci. On a rien entendu. Continue notre choix. Alors. Alors, c'est le dé. Deux. Deux personnes s'approchent de vous. Oh non ! On va aller voir. Eh, bonjour messieurs et monsieur, les garçons. Ouais. Nous cherchons Astralia Temple. C'est pas à côté. Attends, ça. Mais tu l'as pas coché, on est déjà allé. Attendez, excusez-moi. Prochaine destination. Attends. Quoi ? T'écris mal. Hein. Chalet de colis. De colis ? Ah, de Loki. Ouais. Ah, ouais. Ah, en plus, c'est... Ah, bah, Ouais, c'est là où on se dirige, donc tu peux venir avec nous, si tu veux. Parfait. Nous squattons. Allez. Squatter. C'est bon, on est encore parti faire un truc de malade. Oh, si tu veux. Se mettre derrière vous et commence à danser, en vous suivant. Allez, on va tous à la banquise ensemble. Allons, c'est 2D. À l'est. 4. Un clopin parti, je viens vous voir. Oh non, mais c'est la même run là qui se passe là, mais. Eh. Bon. Ouais. Eh, tu sais où est le chalet de colis ? Non. Ok. On continue. C'est arrivé à la frontière avec les pleines idées. Putain. 4, 6, 1. Tiens, d'ailleurs, question technique. Non, conscience filiale. Je parle en conscience filiale, mais si on se faisait prise, med, voilà maintenant, les PNJ ils font quoi du coup ? Ils sont TP dans le prisme avec vous, ils sont bloqués tant que vous réussissez pas le donjon. Oh putain. Et ils peuvent pas nous aider du coup. Non. C'est con ça, putain. Il y aurait que nous qui puissions les aider. Tant dire qu'ils sont la merde. Ouais, y'a déjà 3 flingues et 3 motos dans le prisme donjon lesbienne pour te dire. Et bah ça encore. Ah, c'est pas trop grave non plus. D'avance, c'est terrible. Ouais, bref, on va vers la banquise, rien de tout ça n'arrivera. Mais arrêtez, pourquoi vous regardez sans rien faire et vous avancez pas ? On doit aller au chalet de colis. On se dirige. Aller au chalet de colis ! Allez, on va y aller, c'est vers ça. Allons-y. On va au nord. 5, 6, 5. Ignacio. Continue. 1, 4, 5. Ignacio. 1, 5, 4. Vous arrivez devant la clinique d'Astralia. Et on va allonger par la droite. C'est proche de l'entrée. Non, c'est pas là, les gars. C'est pas ici, le chalet. Et... Pac. Touk. Voilà. Ah ouais, comme ça, le prochain habitant...
il pourra recevoir les goupilles Messenger. Ah, d'accord. Ok. Bon, ouais, on va c'est très bien. C'est ça, t'es pas bon, ça. Non, je fais... Non, pas du tout. Ça permet d'envoyer des colis rapidement. Enfin, des petits colis. Donc, on lance par là. 3 lancers de dés. 6, 6, 6. Tu débloques un niveau de randonneur. Et oui. Oh putain, il n'y a rien. On continue. 6. Oh putain. 2. Dommage. Ouais. Il n'y a rien. On continue au nord. Quoi. De lancer le dé pour la forêt IDS. 1, 4. T'as vu la musique, elle est prioritaire. Ça change la rade. C'est vrai que ça fait que peur, t'as l'air paisible là, on a l'air bien là. Il n'y a rien. On a l'impression que rien peut nous atteindre. Bah, dans leur tête, les jackals, c'est un peu comme ça tout le temps. 1, 4. Il n'y a rien. Et on continue. 3 lancers de dés pour la banquise. 1, 1, 3. Il n'y a rien. 5, 6, 1. Un autre lancer. 5. Il n'y a rien. Continue au nord. 1, 4, 5. Tombé sur un loup des Zoles. Oh, beau, dis donc. Sa petite fourrure rouge. Et son petit museau. Et ses petites patounes. Je l'aime pas. D'accord. Ok. Donc on va à l'est. 3 lancers 2 dés. 4, 6, 4. Il n'y a rien. On va au nord. 5, 1, 4. Il n'y a rien. Vous arrivez devant un chalet de la banquise. Et voilà, c'est ici. Et voilà, on est arrivé. Yeah. Et poc. Nice. Chalet de colis terminé. Prochaine destination. Base IDC. Eh, hey, c'est quand cool, je pas vraiment. Ouais. C'est toujours la banquise, c'est full à l'ouest. Ok, on suit. Allez, fais une run comme ça. C'est parti. Donc on va à l'ouest. 3 lancers 2D. 2, 5, 6. Il n'y a rien. Continue. 5, 5, 4. Il n'y a rien. Oh, au fait, les gars, je sais pas si vous êtes intéressés, mais encore plus loin que la base IDC, il y a des terres, ça s'appelle l'autre monde. Et il y a quelqu'un qui serait intéressé pour un Goupil Messenger. T'es qui ? Il s'appelle Vilcaras. Connais pas. Il fait des plantations. On a... Genre, il cultive des baies. On a un Goupil Messenger de demander pour Palais du Prince Popcorn. Autre monde. Prince Popcorn. Alors, en tout cas, on peut vous dire que Vilcaras serait très intéressé et on pourrait vous y amener après la base IDC, si vous souhaitez. Ok. C'est sur le champ. Donc on continue. Alors, déjà, base IDC. Ouais, base IDC. 3. Aïe, 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 1, c'est bien. 2. Ramasse de la neige. Il n'y a rien. Trois. 1, 4. Il n'y a rien. 5, 2, 6. Il n'y a rien. 3, 4, 5. Un autre lancé. 2. Il n'y a rien. 6, 3, 2. Il n'y a rien. 2, 4, 6. Un autre lancé.
Deux. Un autre lancé. 3. Oh, merci. Mais j'y pense même pas, moi. Je, il n'y a rien. Musique. Ah oui, c'est dur de pas y penser quand on te dit un autre lancé. Donc il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. 1, 5, 2. Il n'y a rien. 1, 6, 4. Il n'y a rien. 3, 2, 4. Il n'y a rien. 5, 2, 1. Il n'y a rien. 3, 6, 6. Il n'y a rien. 1, 5, 5. Il n'y a rien. 1, 5, 3. Vous arrivez devant la base IDC. Vous y serez dans un point d'action. Oh. Oui. C'est pas beau. Ouais. On y va quand même ? Bah ouais. Ah ouais, c'était l'objectif, hein. Déposer les goupilles. Donc on y va. 3 lancers 2D. 2, 3, 4. Un autre lancé. 1. Il n'y a rien. Vous arrivez sur le milieu de la base IDC. Personne s'approche d'eux. Sur cascade, lance des dés. 1. Ah. Je crois qu'ils sont pas d'accord. Et ils sont complètement nuls, hein. Je les raye de la liste immédiatement. Prochaine destination. Palais du Prince Popcorn, autre monde. Allez, c'est parti. Bon, allons-y. Alors, ouais. Juste avant de quitter la frontière de la banquise, il faudra que je ramasse de la nef. Ouais. Faut le faire à l'extérieur de la base, on sait jamais. Ouais. On va au sud. 3 lancer 2 dés. 6, 4, 4. Il n'y a rien. 6, 1, 3. Il n'y a rien. 2, 2, 3. Il n'y a rien. On va ramasser là du coup, mais on n'est pas encore. Ah. Ouais. Là, je fais un dé de fouillage, quoi. Vas-y. C'est 4. À l'autre lancé. 2. Tu y trouves de la boue de neige, de la neige, de la neige de marécage. Oh. Et c'est tout. De toute façon, la boue de neige et la neige, ça faisait le même effet dès qu'on rentrait sur le territoire. Ouais. Donc, du coup, je fais un dé pour ramasser la neige. 6. Tu peux prendre 6 échantillons. Du coup, je peux en prendre que 4 pour pas être trop lourd. Ou alors, je Tu peux nous en passer 2 aussi. Ah ouais, putain, je comprends jamais. Ok, bon, du coup, je peux en prendre 4 et vous en donner à 2 ? 2 à 2 à vous ? Non. 1 chacun, du coup. Donc, il y en a 6. Ok, bah go. On peut continuer. 3 lancer le dé. 1,
3, 2. Il n'y a rien. Vous êtes à la frontière avec la plaine continentale. On continue. 3 lancers de dés pour la plaine continentale. 5. Alors là, 5, c'est 4. Le moment où il faut connaître le chemin, le petit chemin avec les cailloux qu'on avait vu là. Ouais. Bon, on va longer. Vous êtes agressé. On va longer du côté de... Ah d'accord. Oh non. Bon, c'est réglé comme ça. Oh, c'est les morts. C'est les morts, c'est tranquille. Ok. C'est tranquille ça, ça a pas l'air tranquille hein, visuellement. Normalement, si. Ça devrait aller. Pas aidé par nos deux compagnons ? Ah si. Si, justement. Bon, ça BAM va. C'est un bon chance. Voilà. Ok. Il est ramassable ce truc ou ça va faire des effets dégueux s'il le touche ? Non. Là, sur ma région, si j'avais calculé ça, elle aurait fait facilement plus de 700 de dégâts. Avec le multiplicateur d'impact sur une carcasse sinistrée, etc. Et là, le truc, c'est qu'il avait des armes visuellement, donc c'est pas ramassable ? Si, il est là au sol, le truc. Hein. Ah, donc je fais un jet de PL. On est d'accord que si je le touche, il n'y a pas de trucs dégueux qui vont m'infecter ou quoi que ce soit. Hein. Ah, tu sais pas, c'est pas l'attrition virale ici, donc. Okay. Je fais un jet là. 3. Tu parviens à juste pouvoir récupérer une des Gatling. Mais il faut être catégorie 2 pour la porter. Ah bah, on dit peu. Yes. Donc tu donnes une boule de neige à Volsi, c'est possible ça, non ? Oui. Ouais. Ok. Ça veut dire qu'il il peut l'utiliser ? Ça m'a l'air fort. Ah non, il peut pas l'utiliser. Ah, il y a pas de boule de neige. Nope. Ah, merde. Ah, ça tire pas de l'air. Et non. Je croyais qu'il y avait pas de munitions justement dans les armes. Ça dépend lesquelles. Ah, d'accord. La grosse majorité, il n'y a effectivement pas de munitions, mais tu prends Tenefi, celle qui te suit depuis tout à l'heure avec une AK-1, c'est des balles qu'elle tirait. C'est pour ça qu'elle peut tout éclater comme ça. Bah, si ça se trouve, on pourra peut-être le revendre au marché des sinistrés. Oui, c'est vrai. Il y aura forcément quelque chose à faire. Attends, on est d'accord qu'en le portant, il peut... Bon, de toute façon, ça sert à rien, on est accompagné, mais au cas où, en le portant, il peut quand même se battre, c'est pas trop oui, long. Il est juste équipé d'une Gatling, en fait. Bah, c'est pas que je porte un truc, c'est... C'est ça, c'est son armement. Ouais. Mais comme ça compte pas comme du coup. Non, d'accord. C'est de l'armement, mais comme l'arme peut pas servir en fait. Ok. Du coup, on va continuer. Ça, c'est quoi ça ? Ça, c'est l'ouest. Voilà, ouais, c'est le D. 2, 6, 2. Rechargement du mort arrive. Il se fait one shot. Ah bah, vu que c'est le rechargement. Ah oui, bah go. Voilà. Bah ouais. C'est... Vas-y, vous gueule. Ok, je fais un jet de fouillage. Tu parviens à récupérer une caisse de munitions du rechargement du mort. Voilà, c'est parfait. Alors, du coup, faut la donner à qui pour que ce soit portable Tenefi vide son AK-47, son AK-1 dessus. Oh putain... Ça aurait été cool pour nous. La prenez. Quoi ? Elle a vidé son chargeur sur le cadavre. Il a une sale tête, moi je tire dessus. Ah putain, j'ai cru que c'était sur le truc de munitions, putain. Putain, en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire ça, pourquoi ? Pas tirer sur une munition. Bah oui. C'était bizarre, justement. Bon, bref. Je voyais mal. Bah du coup, je ramasse. Et alors ça pèse, ça, du coup, par contre. Ouais, ça prend 5 places d'inventaire. Donc une personne va devoir se condamner à l'idée de combattre. Non, justement. Ah. Tu la portes avec tes deux mains, la Gatling. Ouais, donc une personne doit se condamner en fait son inventaire entier et suivre Rodisne de près pour systématiquement servir de munition à la Gatling. On peut avoir les stats de l'arme au moins. T'as dit quoi ? Je peux prendre la neige. Les stats de l'arme elles sont basées sur la portée d'une votre sniper. Plus sniper élevé, plus ta portée est grande. C'est pas mieux que Volsi ? C'est pas Volsi qui a un bon niveau de sniper ? Volsi peut pas tenir la Gatling, si, il est catégorie 1. Gatling, ouais. Non, moi je parlais de prendre la neige de Volsi. Non, tu peux pas. Donc, d'accord. Il faut l'équiper avec la Gatling. Bah, on va. Bah, du coup, là, il a porté 1 avec son arme s'il a pas sniper ? Oui. Je peux pas la charger, elle est vide mon arme. La boîte de munitions, c'est quelqu'un d'autre qui doit la porter reliée à ta Gatling. Ah, d'accord, ok.
Et du coup, le mec qui porte... Du coup, attends, le mec qui porte le truc de munition, du coup, il rentre pas en combat. Il peut pas, vu qu'il est full, exactement. Ouais. Non, par contre... D'accord, donc si ses alliés meurent, bah du coup, il se retrouve tout seul et il fait quoi? Il est agressé par-dessus? Ah, il est forcément mort. Ça, sa mort est garantie dès lors que le mec avec la Gatling, il tombe. D'accord, ok. Après, on a les tirer fiers avec, faut pas l'oublier. Ouais, mais bon, elles vont pas nous suivre partout. D'un moment, on va sûrement se séparer, c'est ça que... Enfin, on verra. Non, je propose de laisser tomber, que Volsi laisse tomber sa neige. Ouais, je suis d'accord. Pas go, là. C'est catégorie 1, Volsi, on est d'accord, parce que chaque fois je le confonds. Ouais, ouais, ok. Du coup, je laisse tomber ma neige. Il va bientôt faire jour, là. Ouais, ouais, on est bientôt arrivé. On y va, on y va. On est bientôt arrivé, de toute façon. Du coup, je laisse tomber la neige et je prends le... Oui, de toute façon, 4 rechargements de mort. Rechargement. Tu es désormais équipé d'un rechargement du mort connecté à la Gatling de Rodisn. Rodisn peut désormais se servir de la Gatling. Propre. Du coup, on continue à l'ouest. 3 lancers de dés. 5, 2, 5. Il n'y a rien. 6, 3, 6. Il n'y a rien. 3, 4, 1. Il n'y a rien. Et là, on peut longer. Ouais. Ok, donc on longe vers le sud. 5, 3, 6. Il n'y a rien. 2, 4, 6. Un autre lancé. 4. Un dernier lancé. 3. Excellent. Mais quelle musique, c'est bon, tout va bien. Il n'y a rien. Oh, mon cœur, il va vite, putain, quand les sens. Vas-y, pas normal. 4, 6. Un autre lancé. Non, mais. Un autre lancé. Mais non, il y a la musique. Allez, c'est bon là, on rentre dans ce putain de village de sinistré. Vas-y, go. Il n'y a rien. La musique counter le prisme. Allez, on y est presque, on y est presque. Tout va bien se passer. On y va. 3, 4, 1. Il n'y a rien. Vous arrivez devant une cascade. Escalade niveau 3 est demandée pour la traverser. Ouais, on va pas escalader là. Non, on va continuer. On va continuer. 3 lancers de dés. 3, 2, 3. Il n'y a rien. 4, 1, 2. Tombé sur un rechargement du mort. Ouais, non. Bam. Il est mort. On continue. Trois lancers de dés. 1, 2, 1. Il n'y a rien. Vous arrivez devant un empilement de plusieurs pierres. Est-ce qu'un niveau 1 est possible ici afin de traverser ce sentier de pierre jusqu'à la rive de l'autre côté? Bon, bah, c'est la seule le seul chemin, le... Ouais. Ouais. C'est ça? Ouais, il faut traverser. Ouais, faut être bon en escalade, par contre. Après, on y sera, bientôt. Elle laisse tomber la neige dans l'eau. Y'a pas à pied. Non, faut pas tomber. Ah. Après, peut-être que tu connais un meilleur chemin, mais c'est le seul qu'on connaît, nous. Palais du Prince Popcorn, autre monde, parenthèse, bah, voilà. Métro, rapide, accès, parenthèse. Ah ouais, ouais. Ah, ouais, c'est... ouais, non. Ouais, mais c'est clairement moins dangereux de passer là que dans le métro. Ok. Ok. Bon, vous allez escalader? Bon, peut-être escalader.
Attention. Il est où, Gel? Tac. Voilà. Je pensais que c'était assuré pour eux, tu vois. Le passif jumeau cumule et lance 7 dés. C'est un 5. Le jet est positif. Ah, d'accord. Il est cheaté, ce passif. Ils sont de l'autre côté. Ce serait bien si on avait la... Allez, faut l'argent. Vous n'avez plus leur musique. Oh, mais vas-y. Non, mais faut leur attends, quoi? Bah, ils sont de l'autre côté de la rive, donc vous n'avez pas la musique. Allez, faut les rejoindre là. Bah, de toute façon, oui, go. Vite. C'est maintenant que ça joue là. Oh, si c'est moi qui tourne, non, ça va bien. Mais ça. Non, mais non, mais non, mais. Ça va être good. Ça va juste un problème, je peux plus vous faire apparaître dans le combat, je sais pas trop pourquoi. Non. Donc, on va les faire ici les G2D. Du coup, okay. Grodizn, ton lancer, faut qu'il soit positif. 4. Grodizn parvient à passer. Ouga, ton lancer, il faut qu'il soit positif. Oh non. Aïe, Ouga, ici. C'est la fin de la run. Oh. Voici, ton lancer 2D. Faut qu'il soit positif. Tu veux la musique? Yes! Vous rejoignez le goupil Jellyfy. C'est bon, on est là. Bah, et où votre pote? Il est tombé. Donc, bah, il est mort. Note, ça va. Ah, dit comme ça, c'est drôle en vrai. Eh, il sait pas nager. Non, mais il s'est pris des rochers dans le fleuve, en gros. Ah, il s'est embarqué. Quoi. Il l'a fait pouf. Ah ouais. Ok. Ah, il fait très noir, là. Hein. On voit rien. Ouais. Ah ouais, bah c'est l'autre monde, c'est comme ça. Il n'y a pas de soleil, là-bas. Il est où, le palais du prince Popcorn? Il est plus loin. Ouais, mais au sud, il y a le village. Et au village, il y a quelqu'un qui demande le goupil. Le goupil messenger. Ah d'abord, ouais, le palais du prince Popcorn. Ok, ok. Ah, mais c'est vraiment à 2-3 points d'action, pourtant, c'est dommage. Bon, d'accord. Ok, merci. Donc, on va au sud. Te lancer le dé. Tu sais l'emplacement exact, j'espère, parce que... 5, 3, 6. Ah, deux lancers, c'est bien ça. Le counter de Rodis. Et une carcasse de l'ordre. Bam. Oh putain. La carcasse de l'ordre est morte. Elle va tout one shot avec ses dégâts, putain. Bon, on a plus notre fouilleur, donc Alors, est-ce qu'on laisserait pas tomber la Gatling ou le rechargement et tout pour ramasser ça et le vendre après? Mais on peut pas ramasser? Ah! Attends, Ouais. Il est catégorie combien déjà? 3. C'est pile poil. On est pile assez, ouais. Et je pense on est sécure au village. Moi je propose de laisser tomber la Gatling et le rechargement du mort. Ok. Et on prend du coup la carcasse de l'ordre. Et on continue au sud. Toi, lancez le dé. 1, 5. Tombez sur un reliquang des forces. Vous ne pouvez pas combattre, vous êtes donc agressé. C'est les Jellyfy qui vont devoir combattre. Là, le combat, pour le coup, il va se faire. Hein. Allez. Oh là là, la musique. On a vraiment que des bonnes... Attention bonnes... Pattern de deux charges de la part du reliquant défense. Wouh. Pattern de... Sniper de la part des Jellyfy, j'ai cumulé. C'est supérieur. La charge est esquivée. Attention, réplique avec un coup de AK1. Précision donnée par Jell. Cumulé avec wow. La maître, niveau de maître d'armes du Jellyfy qui est à 8.
plus son lancer de dés. Ouah, c'est un 20. Religang, défense, lance le lancer de dés pour réduire les dégâts. C'est un 5. Il perd ici du coup la différence en catégorie. 15 de catégories sont appliquées. Le Religang défense n'est que catégorie 8. Il meurt là-dessus. Lui, je vais le transporter. Ok. J'ai fait le transport à deux. Eh ben, ils sont forts. Hein. Donc on continue aussi. Vous arrivez au village des sinistrés. Putain, la musique. C'est un peu plus joyeux. Alors c'est de 2 rôtis pour l'aléatoire. 2. Il y a les membres suivants. Conscience, William, s'il y a un move commercial à faire. Ouais, mais les jeunes filles vont vouloir poser leur goupil et se barrer. Bah attends. Et voilà. Y'a pas vite carasse. J'ai les fils s'approche de ce PNJ. On va les voir. Ah, on va avec eux. Ok. Eh, Vilcaras, il est là-bas. Ouais, on y va. Ouais. Il fait quoi, lui? T'approches pas trop. Oui, il décapite les gens. Pourquoi tu décapites des gens alors qu'il marche? Eh, je te parle. Bam. What? On va sonner le chevet de Karas. Et les gars, il y a sa fou à ramasser s'il est mort. Et voilà, c'est ça le mot. Sonnez ici. Tring. Personne sort. Ah, c'est dommage, je suis pas vivant, on peut pas ramasser la faux. C'est pas de chance. Calamitique, l'incarnation, je te l'offre. Oh. Eh bien, bonsoir. 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 Bonjour, nous sommes Jellyfy, nous venons installer. Goupil Messenger au palais du prince Popcorn. Ah, et ici c'est pas le palais du prince, ici vous êtes chez Vilcaras. Palais du prince, c'est tout à l'est. Eh, tu t'es trompé, monsieur, là. Non, on pensait que monsieur Vilcaras, vous vouliez. Ah oui, tout à fait, moi je suis intéressé par un Goupil Messenger, mais ici vous n'êtes pas au palais. Donc, nous avons un Goupil Messenger à vous offrir. L'installation est gratuite. Ça coûte une petite somme pour l'envoi. La réception est également gratuite. Est-ce que ce service vous intéresse? Ah, tout à fait, tout à fait. Très bien. Poup. Voilà, je l'ai mis à côté de la sonnette. Oh, merci. Est-ce que vous voulez un Religogue défense? Non, j'ai assez à faire avec les krill en ce moment. Ah bon, ok. Oh, tant pis. On va le mettre au milieu, comme ça, s'ils veulent manger des trucs, les gens. Oula. Il mange pas grand-chose, vous savez. Ah. Bon, fallait au palais du prince Popcorn. Ouais. Bon, mais très bien. Bah, bon courage, là. Merci. Au revoir, monsieur Chapeau. Au revoir. Et bonsoir. Au revoir. Alors, juste du coup, on va aller voir... Carcasse me dit, t'as cette personne là-bas 5 minutes histoire de faire du commerce. Descends de Vilcaras. Terminé. Okay. Donc on va voir Carcasse me dit. C'est elle. Ouais. Eh bonjour. Il y a monsieur ici qui est notre randonneur messenger qui aimerait vous parler. On a ce cadavre à vendre. Je sais pas combien il vaut à peu près. Elle te fait 5 moyennes sommes de la main. D'accord, très bien. Bon, et prend... en... Non ouais. C'est juste que ça vaut combien de carcasses, du coup, celle-là?
dans votre boutique. Elle fait non de la tête. Ah, c'est pas d'accord. Ouais, elle donne pas de moyens, ça. Elle sait pas parler en fait. Faut deviner avec c'est oui ou c'est non. Ouais. Ouais, c'est marrant. Bah, du coup, on accepte les 5 moyens de somme. Elle récupère la carcasse et te donne 5 moyens de somme. Wouah, 5 moyens de somme! Tu peux envoyer 50 messages avec le service du Coupin Messenger. C'est vrai, et maintenant il est presque partout. Mais presque. D'ailleurs, il manque reste le palais. Le palais. Je pense pas encore. Allons-y. On y va. Ouais. On va à l'ouest. C'est tout à l'ouest. Te lancer le dé. 1, 2. C'est vraiment grand village en fait. Il était vraiment pas beau. Ah, ouais. C'est spécial quand même, non, c'est ça. Eh, si c'était pas un spectre, j'aurais tiré comme ça. BAM! Continue. 2, 1. Oh. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ça ressemble à une créole. C'est un gros créole, là, hein. 4, 4. Très sympathique ces créatures, elles ne nous attaquent pas. C'est plus dangereux la forêt de Narcan. On n'y a pas été souvent, donc on pourrait pas dire. Mais eh bien, je vous déconseille cet endroit. Très bien. On s'est fait agresser par des citrouilles. Ah ouais. Ah oui, ouais. Ils nous ont pourchassés, ça nous a pris tout notre temps. J'imagine bien, ouais. Continue. 1, 6. Si grand et si beau. Eh, t'aimerais pas qu'il te lèche la queue, Jel? Ouais, tu ressembles à vraiment une fraise quand tu rougis comme ça. Ben, continue. Ah, on continue. 5, 4. Il n'y a rien. Tu ne peux pas aller plus à l'ouest. Merde, l'ouest. Ouais, ça doit être plus au sud. On va au sud. 2, 2. Je suis tombé sur un bois du sinistré. Il est très très grand. C'est un arbre qui vous regarde de haut. Eh ben. Eh. T'as pas deux yeux ou. Ah! Quoi? Regarde, ses yeux, ils sont bouchés! Ouais, je vais fabriquer des yeux. Bap! Bap! Et tac! L'arbre s'écroule au sol. Putain! Ouais, il met pas du sien. Ah! Très déçu de cette flore. Du coup, on continue, bon. Je suis 2-2. Ah, oh, mais il y en a un autre. Je ne vais pas faire deux fois la même erreur. Cette fois-ci, je vais garder mes munitions. Et judicieux. Continue. 6-2. Tombé sur un chameau des ombres.
Oh, comme il est beau. Waouh. Il est magnifique. Eh, on le prend gel, c'est sûr. Ouais, elle peut le dresser. J'ai cumulé par le passif. C'est une réussite. Wow. Le passif jumeau qui carie à nouveau. Un chamois des ombres rejoint le groupe. Tenefi se met dessus. Poup. Wow. Et tac. Mais c'est trop stylé. Maintenant, je suis la princesse des lieux. Et j'attends mon palais au prince Popcorn. On y arrive. On peut toujours pas aller à l'ouest ? Non. C'était quoi les zones disponibles au village sinistré ? Il y avait que des cardinaux. Non mais genre des zones... Il y avait pas un palais ou un truc comme ça aussi là-bas ? Non. Ah, il me semblait, il y avait un truc comme ça. On continue aussi. 6. Ah j'en étais sûr. C'est agressé. Le sol tremble énormément. Lorsque surgit du sol une rascasse de plus de 80 goupilles, c'est-à-dire 50 mètres carrés. Ici, la run s'arrête là pour vous redisney Volsi, étant donné que les dégâts sont des dégâts de zone. Votre esquive n'est pas assez suffisante, ne serait-ce que pour survivre à la sortie de la rascasse de la peste. Pour les Jellyfi, c'est un combat de taille. Fin de la run. Non. Bon bah bonne chance à eux. Pas de chance. Oh là là, c'était trop bien. Du coup, pas mal. Oh, je suis tellement déçu d'avoir raté. J'ai joué à rien. Fin de la session. On a eu la vraie voix de Vipkaras. Fin de la session ? Ouais. 23ème round, si vous la lancez, vous allez la lancer dans le labyrinthe sentient. Vu que la deuxième run vous a servi à recalibrer en fait votre respawn pour la prochaine session. D'accord. Ah. Donc ouais, on va pas faire la... Donc clairement que vous voulez la relancer dans les terres sentient, je doute. Non. Non. Je suis pas pour en tout cas. Du coup, fin de cette session incroyable de 2h07. Eh ben... Elle double 6, ce qui est dangereux quand même. Ouais. Mon avis sur cette raid calamitique. Mais c'est pas plus mal qu'elle soit arrêtée là, non? Parce que si, si Jellyfi vient à bout de la rascasse derrière, ça va pas poser quelques problèmes. Le combat ne se serait pas. Roxy serait venu en fait pendant le combat. Ouais, c'est bien ce qu'il semblait. Ça aurait pas pu, ok. Si par contre les joueurs avaient survécu, Roxy aurait, serait apparue et aurait accompagné tout le monde jusqu'au palais du prince Popcorn, vu que c'est elle qui a fait la demande de l'installation du coup de Messenger, t'imagines bien. Pour avoir appelé le palais comme ça. Pas près de... Ben moi ce que je craignais pour eux, c'est qu'ils fassent tout ça et qu'ils arrivent devant le palais pour tomber sur Smith, quoi. Ah mais c'est bien. Alors cette session Ogawa, pleine de rebondissements. Ouais, j'avoue qu'elle était cool. Ça faisait un petit moment qu'on avait pas une session aussi, aussi cool. On comprend rien à ce que tu dis Elchir parce que t'es une informaticienne de qualité. On n'entend pas ce que tu dis parce que tu sais bien configurer ton micro. Ah ouais, pareil. Par contre, sans déconner, au niveau de l'exploration, je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous avez fait les zones où c'est du mec du jeu. Non, je pense que le temple, ouais, c'est un truc assez vénérant. Non. C'est ok, je veux dire, il n'y a pas de problème. Oh,
Alors par contre, les goupilles sauvegardées ou pas du tout? Non. Rien de ce qui s'est passé n'a été sauvegardé dans cette run, comme n'importe quel autre des runs. Ok. Malgré que, entre... Là, tu vois, ils ont fait une run. Il y a eu le recalibrage derrière du docteur, donc il va y avoir quand même une... Tu vois combien de déplacements de spawn? Malgré le déplacement de spawn, il n'y a pas de... Non, 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 ça touche pas la temporalité, les sauvegardes. Okay. Okay. Heureusement, hein, parce que la mort de Lord Sinister, c'est pas dans votre intérêt. Hein. Si l'autre, si l'Immortal Ever, il a plus rien pour le bloquer, il commence à sortir, ça commence à très vite foutre la merde. Hmm. Bah, disons que les cadavres que va laisser Jellyfy en boucle derrière, ça va devenir un problème. Ouais, Jellyfy, faut vite trouver Roxy, sinon ça fait vite de la merde.